La célébration de la Journée des droits de la femme est une marque de reconnaissance aux valeurs incarnées par les femmes. Acte posé par le personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui célèbre les femmes à travers cette foire agricole. L'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour célébrer la Journée internationale de la femme a décidé de faire deux activités. La première activité, c'est la foire agricole. Nous sommes à la troisième édition. Et la deuxième activité, c'est l'opération don de sang. Donc, je vous invite à participer activement à ces deux activités pour le bonheur de notre population. Un bon leader, le patron du ministère encourage l'initiative qui est à sa troisième édition. C'est devenu désormais une tradition pour le personnel féminin de mon département ministériel d'honorer la femme tous les ans à travers une série d'activités dont la plus importante est la foire agricole qui permet de révéler les femmes actrices du développement du secteur agricole. Cette détermination et cet engagement dont vous faites montre me réjouissent à maintes égards car ce faisant, vous accompagnez de manière fort louable les actions en cours dans mon ministère en matière de promotion des filières agricoles et des chaînes de valeur ajoutée. Je vous en félicite très sincèrement. Mon ambition est de voir les femmes à la tête des organisations professionnelles ou fêtières où la responsabilité fait appel à la gestion qu'elles savent faire mieux que les hommes. La commémoration du 8 mars ici est bien particulière. Une exposition des produits agricoles made in Benin et une opération dénommée « Sauvons des vies humaines par le don de sang » restent des moments forts.